Bonjour, je m'appelle Axel Pondy, je suis vice-président, plutôt président du secteur B et puis vice-président de la jeunesse de la paroisse Sainte-Croix de Jésus. Donc aujourd'hui nous sommes réunis ici parce que c'est une journée diocésaine et responsable de la jeunesse de Patois. Et puis nous sommes rassemblés ici avec un programme bien établi, avec une messe, une formation des jeunes et responsables, et ensuite une détente. Donc pour la formation, nos aumôniers et puis nos responsables diocésains ont prévu des choses parce que les responsables que nous sommes en paroisse doivent eux-mêmes être formés pour ensuite former ceux qui sont dans les paroisses, les jeunes dans les paroisses. Donc si nous-mêmes déjà nous ne sommes pas formés, nous serons incapables de former les jeunes en paroisse et ils ne vont rien donner en retour. Donc il faut bien que les responsables soient formés, que les responsables sachent défendre l'Église, sachent défendre la parole de Dieu, pour transmettre tout cela aux jeunes de nos paroisses et pour que la chaîne continue. Donc nous sommes ici pour cela, c'est ça vraiment le but de l'activité. Et ensuite nous allons passer à une petite détente entre nous pour se connaître entre responsables au niveau du secteur. Trésorière de la paroisse Saint-Christophe. Je suis ici dans le cadre de l'activité diocésaine de la jeunesse. Et cette activité a pour but de former la jeunesse et certains responsables. Dans cette activité, nous aurons la détente, la formation et bien d'autres. Mes premières impressions sur cette activité, c'est qu'il y a un regroupement de plusieurs secteurs. Nous avons le secteur A, D et C. Et grâce à cette activité, certains responsables pour moi, qui ne se connaissaient pas, auront la chance de se connaître. Nous avons eu la messe, l'action de grâce, et pendant cette messe,
homélie a été très belle. Cette homélie a été dite par le père Ephrem. Si en tant que responsable pour moi, va beaucoup m'aider grâce à la formation qui sera dite. Et cela va m'aider plutôt à connaître d'autres responsables comme moi, à me familiariser avec la grande église et universelle catholique. L'articulaire, responsable de la paroisse Sainte-Trinité de Timaï. En tant que trésorier de la paroisse, je suis venu ici, à Ndjeno, pour une journée détente organisée par le diocèse. Il y a aussi certains des paroisses qui sont ici, Saint-Esprit, Saint-Jean-Apôtre, Saint-Joseph, Saint-Joséphine de Bakita. On est là pour faire connaissance et se détendre. Alors, c'est le père Ephrem qui a le micro. J'ai d'abord un grand merci pour cette presse de la Radio Maria YouTube. Alors, j'ai d'abord un grand merci aussi pour cette activité que nous avons lancée. Ça fait quand même beaucoup de temps que nous sommes toujours en contact avec la Radio Maria, juste pour visualiser maintenant nos activités, parce que nous savons que la jeunesse aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de difficultés et nous avons, pour la pastorale, il faut créer des stratégies. Alors, en voyant cet espace, espace devant l'océan, nous avons bien pensé passer un temps, non seulement temps de détente, mais plus un temps de réflexion. Et là, c'est pour cela que nous avons créé cette journée que nous appelons journée diocésaine de la jeunesse de Pointe-Noire. Donc nous avons réuni les responsables jeunes des paroisses et nous avons débuté déjà par la messe qui était dite par moi-même, puis nous aurons un temps de partage avec les jeunes, un temps de débat avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui il faut du débat, il faut vraiment comprendre quelle est la pastorale que nous pouvons faire. Et après cela, les jeunes vont se familiariser, parce que ce sont des jeunes qui reviennent de beaucoup de paroisses. Ils doivent se mettre, ils doivent se connaître au lieu de rester toujours entre eux. C'est pourquoi nous avons bien pensé réunir tous les jeunes. À la fin, ils feront comme ce que nous appelons connaître des amis visibles, des amis invisibles, comme nous le faisons dans d'autres paroisses. Donc voilà un peu le motif qui nous réunit ici. Donc nous rendons grâce et à vous, la Radio Maria, qui nous aide à visualiser nos activités. Et nous disons un grand merci aussi à nos responsables du diocèse, un grand merci à Monseigneur Abel, à Monseigneur Miguel, ceux qui nous soutiennent dans la jeunesse. Un grand merci aussi à Monsieur l'abbé Tati Alphonse, qui nous a donné cette possibilité. Nous saluons aussi l'abbé Louis, qui en était hier, qui nous soutient pour les activités que nous faisons. Sans oublier aussi le secrétaire de l'évêque, qui est toujours avec nous. Donc merci à l'abbé Pasqua, merci à vous tous et merci aussi à mon frère aumônier adjoint, l'abbé John, qui n'est pas encore là. Donc voilà ce qui nous réunit en quelques mots. Donc merci pour cette synodalité que nous créons entre frères et sœurs et entre responsables. Merci. De bénir et de procurer du pain à ceux qui n'ont rien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Hein? Alors, Betket Kabloun m'a dit à Moutine Douban et l'école, maintenant ce que vous soyez. Donc, Namoulonga, soyons adultes. Yes, sir!